changing. Money for shows. My story is changing. Money for shows. Hallelujah. 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 Shout hallelujah. Hallelujah. Are you sure you are ready tonight? Est-ce que tu es sûr que vous êtes prêt ce soir? Stand up and say Holy Ghost fire. Tonight is liquid anointing. Ce soir, c'est le Saint-Esprit liquide. People are praying for this service all over the world. Et j'apprie pour ce service partout dans le monde entier. Hallelujah. Hallelujah. The devil is already running away from here. Hallelujah. 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 Tell yourself, this is my day. Dis à toi-même, voici mon jour. This is the time. Voici le temps. This is my season. Voici ma saison. This is my hour. Voici mon heure. Today is my day. Aujourd'hui, c'est mon jour. Today is my day. Aujourd'hui, c'est mon jour. If you are here tonight, si tu es ici ce soir, whatever is your condition, quelle que soit ta condition, begin to make bye bye to that old condition. Commence à dire au revoir à cette ancienne condition. Say bye bye to my old condition. Bye bye to my old situation. Au revoir à mon ancienne situation. Bye bye to my old level. Au revoir à mon bye bye to my old platform. Au revoir à mon bye bye to my old standards. Au revoir à mon things are changing around me. Things are changing around me. Changing around me. I see angels walking in this place tonight. I see angels in life tonight. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Take up your hand and just thank the Lord for the Holy Spirit. Thank the Lord for the Holy Spirit. Raise the hand and thank the Lord for the Holy Spirit. Thank the Lord for the Holy Spirit. Thank the Lord for the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, it is impossible. The Spirit is supernatural. Tonight, because of the Holy Ghost, the blind will see. Because of the Holy Ghost, the lame will walk. Because of the Holy Ghost, the dead are raised. Because of the Holy Ghost, the story is changed. Hallelujah, clap your hands, give the Lord glory. Hallelujah. Hallelujah. I traveled from my church from the US. I came from the US. Je viens des États-Unis. My church is in Maryland. Mon église est à Maryland. Hightsville, Maryland. À Maryland. Hallelujah. Hallelujah. It's the fastest growing church in America. Hallelujah. 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 I thank God for the pastors that are here. Please, I love you and I thank God for your presence. Vraiment, je vous aime et je dis merci à Dieu pour votre présence. Just shake your hands and Bishop Bonnie greet you in Jesus' name. I thank God for all our international speakers. Je dis merci au Seigneur pour tous les orateurs internationaux. In the New Testament, dans le Nouveau Testament, every page in the New Testament talk about the supernatural. Toutes les pages du Nouveau Testament parlent du surnaturel. The New Testament was born by supernatural. Le Nouveau Testament fut né par le surnaturel. A virgin conceived a child. La Vierge a conçu un fils. Every story in the New Testament. Toutes les histoires dans le Nouveau Testament. Demonstrate the power of the Almighty. Démontre la puissance du Tout-Puissant. Hallelujah, somebody. Hallelujah. I want to focus tonight on the first 10 chapters of the Book of Acts. J'aimerais me focaliser sur le 10e chapitre du livre de Actes. Because the only book in the New Testament. Parce que le seul livre dans le Nouveau Testament. That did not end with Amen is the Book of Acts. Qui ne s'achève pas avec Amen, c'est le livre de Actes. From Matthew, Mark, Luke, John. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Romans, Corinthians, all the rest. Corinthiens et tous les autres. The last chapter ends with Amen. La fin de leur chapitre finit, il se termine avec Amen. But the only book in the New Testament. Mais le seul livre dans le Nouveau Testament. That did not end. Qui ne s'achève where pas. Where the author wrote the last word. L'auteur avait fini le dernier mot, c'est Parce que les actes des apôtres sont ouverts jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Acts will be added in the Acts. Et aujourd'hui, hey! Hallelujah! Hallelujah! So in Acts chapter 1, chapitre 1, we see the apostles witness a supernatural manifestation. Nous voyons les apôtres témoignant dans le surnaturel. When they saw Jesus rising up to the sky. Quand ils ont vu Jésus se lever dans les cieux. While they watched Jesus ascending to heaven. Quand ils ont vu Jésus montant dans les against cieux. Against all the laws of nature. Au-dessus de toutes les lois de la nature. They
they saw Jesus. Ils ont vu Jésus. They have been with him for 3 years. Ils ont été avec lui pendant 3 ans. They have ate with him. Ils ont mangé avec lui. And he was with them talking for 40 days. Et il était en train de parler avec eux. After resurrection. Et après la résurrection. But suddenly. Mais soudainement. He lit up his eyes in the heavens. Ils ont levé les regards vers. And a new law was put in place. Et une nouvelle loi était mise en place. Law. Une loi surnaturelle. Supernatural law. La loi surnaturelle. His body. Jesus was still body. Jésus avait le même corps. With bones and flesh. Avec l'os et la chair. It was celestial body. C'était n'est-ce pas le corps céleste. They saw him rising up. Pas, and while they were gazing. Et pendant qu'ils étaient en train de regarder. While they were looking up to heaven. Ils regardaient vers le ciel. The angel said, "Ye men of Galilee." L'ange a dit, vous hommes de Galilée. Why gazing to heaven? Pourquoi regardez-vous vers les cieux? This same Jesus. Ce même Jésus. That you have seen go to heaven. Que vous voyez monter au ciel. He will come back again. Il reviendra encore. Every chapter of the book of Acts. Toutes les chapitres du livre de Actes. Reveal the demonstration. Révèle la démonstration. Of the supernatural. Du surnaturel. Power of God. La puissance de Dieu. In Acts chapter 2. Dans Actes chapitre 2. Numbers 1. À partir du verset 1. On the day of Pentecost. Le jour de la Pentecôte. The Holy Ghost came down. Le Saint-Esprit est descendu. With fire from heaven. Avec la puissance du ciel. And these men begin to speak in different tongues. Et ces hommes ont commencé à parler en différentes langues. And there was a crowd gathering. Et il y avait une grande foule. And these non Galileans. Et même ces hommes de Galilée. They were hearing speaking in our own different tongues. Ils entendaient parler en leur propre langue. And these men were filled with the Holy Ghost. Et ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit. And their lives were changed forever. Et leur vie était changée pour toujours. I come to announce to you. Je suis venu t'annoncer. This is the hour. Voici l'heure. This is a destiny. Voici ta destinée. This is a day. Voici ton jour. By the power of the Holy Ghost. Your business will change. Your name will change. Your ministry will change. Your nature will change. Your history will change. Because not by might, not by power, but by the Holy Ghost. The blind eyes will see. The Lord will walk. Hallelujah. Hallelujah. Whenever the quel que soit le lieu où le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Charles Holy Ghost. Priez Saint-Esprit. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Saint-Esprit. So in Acts chapter 1. Et si dans Acts chapitre 1. They witnessed supernatural manifestation. Ils ont été témoins de la manifestation naturelle. They saw Jesus ascending. Ils ont vu Jésus monter. In Acts chapter 2. Dans Acts chapitre 2. Men began to speak different languages without any meaning. Ils ont commencé à parler des diverses langues. In Acts chapter 3. Et dans Acts chapitre 3. And John, Pierre et Jean going to the temple, allant dans le temple, and the same man 40 years old, et le même homme de 38 ans sitting at the gate, assis à la porte, and the same word, such as we have. Et ils ont dit, we give unto you, nous te le donnons. And suddenly, et soudainement, this lame man, cet homme parti, has been there for so long, qui était là pendant si longtemps, something happened in his bones. Quelque chose s'est passé dans ses os. I see something happening tonight. Et je vois quelque chose se passer. I see the Holy Ghost moving. Je vois le Saint-Esprit in your system. Dans ton système. I see the Holy Ghost moving. Je vois le Saint-Esprit in your bones. Dans tes os. The Holy Ghost. Saint-Esprit. Walk to me. Holy Ghost. Walk to me. Holy Ghost, walk to me. This man, his bones begin to shake. Cet homme, ses os commençaient à bouger. There was a day I was invited in Bonalyonga Street. Il fut un jour, j'étais invité. Bonalyonga Street. À Bonalyonga Street. Boya. À Boya. Just opposite the market. Juste en face du marché. I entered the house of one Mr. Lyonga. Je suis entré dans la maison d'un monsieur. The daughter was Elizabeth Mukake. Et la fille s'appelait Elizabeth Mukake. Bonalyonga Street. She was lying on the bed for 10 years. Depuis 20 ans, elle était couchée sur le lit. 10 years. 6 ans, elle était sur le lit. She had a first degree in accounting in London. Elle avait la licence en comptabilité à Londres. And got attacked by a strange sickness. Et elle était victime d'une maladie étrange. She could not see light. Elle ne pouvait pas voir le jour. She lives in a back room. Elle vivait dans une chambre sombre. She could not stand. She could elle not ne pouvait walk. Pas se tenir, encore moins marcher. The room was smelling because she had been on bed for 10 years. La chambre sentait parce qu'elle était dans le lit pendant 6 ans. As I entered the room, I saw a beautiful picture on the wall. Quand j'étais entrée dans la chambre, j'ai vu une belle photo sur le mur. Graduated from Cambridge College, somewhere in UK. I don't know Cambridge College. Licenciée du collège de Cambridge. And she was lying there. Class. Suddenly something began to happen in my life. Soudainement quelque chose a commencé à se passer. I saw this girl sleeping there. J'ai vu cette fille se coucher là-bas. With destiny, with a future. Avec une destinée, un futur. All her life was ruined. All her life was ruined. Toute sa vie était ruinée. Her dreams were ruined. Ses rêves étaient ruinés. Bound for 10 years. Liée pendant 10 ans. And suddenly, et soudainement, I got Holy Ghost anger. J'ai eu une colère. I
J'ai plus de 45. I don't remember burying three people in my family.
Je me souviens avoir enterré trois personnes dans ma famille. My mother died, ma mère est morte, mon père et ma tante. You know, we don't die. Voyez, vous ne mourrons pas. I said, we don't die. Je dis bien, nous ne mourrons pas. Oh my God. Oh mon Dieu. Is that your destiny? No. Does not reign where Holy Ghost reigns. Alors l'église, your death, la mort prématurée, does not reign, ne règne pas where Holy Ghost reigns. Là où le Saint-Esprit règne. Disasters, le désastre, does not reign, ne règne pas where Holy Ghost reigns. Là où le Saint-Esprit règne. Alléluia. Alléluia. Illness, la stérilité, does not reign, ne règne pas where Holy Ghost reigns. Là où le Saint-Esprit règne. I was preaching, je prêchais, by her invitation, par mon invitation, in Bafoussam, à Bafoussam, to the women of Bafoussam, aux femmes de Bafoussam. And suddenly the Holy Ghost said to me, et soudainement le Saint-Esprit m'a dit, there are women here, il y a des femmes ici, married to snake, mariées au serpent. You remember? And I made an attack call for them to come out. Et j'ai lancé l'appel et elles sont venues. Three women came. Trois femmes sont venues. That have sex with serpents. Qui avaient des couches, qui couchaient avec des serpents. I don't know how they do it. Je ne sais pas comment ça se passe. They came as I cried. Elles sont venues commencer à pleurer. Pastor, set us free. Pasteur, rends-nous libres. And after 1 year, I met that one of those women. Et après un an, j'ai rencontré l'une de ces femmes. She was married now. Elle était maintenant mariée. I have a first child. Et elle a eu son premier fils. Tonight, ce soir, every yoke is destroyed. Every initiation is destroyed. Things change. Les choses changent. Hallelujah. So Hallelujah. Acts chapter 5. Dans Acts chapitre 5. Ananias experienced the power of God. Ananias a expérimenté la puissance de Dieu. Died in the church. Elle est morte dans l'église. If your church is alive, si ton église est vivante, sin will not reign in the church. Le péché ne règnera point dans l'église. You will be living in the choir and living for the cushion. Tu pourrais être dans la chorale et vivre dans you la fornication. An elder and in the court. Tu ne pourrais pas être dans être you le be a drunkard pastor. Hello. Hello. When the Holy Ghost moves, quand le Saint-Esprit agit, the church is alive. L'église est vivante. And healthy. Et en bonne santé. With testimonies. Avec des témoignages. In Acts chapter 6. Dans Acts chapitre 6. Verse 8. Au verset 8. It says Stephen. It says Stephen. Il est écrit Étienne. Was full of the Holy Ghost and power. Était rempli du Saint-Esprit et de puissance. And did great signs and wonders. Accompli des signes et des prodiges. Every chapter in Acts. Tous les chapitres dans le livre. You can see the supernatural. Vous pouvez voir le surnaturel. I was there Stephen. La Bible déclare. Was filled. With the Holy Ghost. And with power. Et de puissance. And did great signs. Et il a and wonders. Signes et des prodiges. Shout signs. Criez signes. Shout signs. Criez signes. And wonders. Et prodiges. Today. Aujourd'hui. Signs. Signes. And wonders. Et prodiges. Today. Aujourd'hui. Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Can you give me some music there? The signs and wonders today. Stephen Étienne was filled était rempli with the Holy Ghost.
Ghost. Du Saint-Esprit. And the great signs and wonders. Et il a accompli les grands signes et prodiges. Signs and wonders are not for apostles. Les signes et les prodiges sont pas seulement pour les apôtres. For every child of God. Mais pour tout enfant de Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Say, I will see. And I will experience. Verset 45, 55, 56. Stephen said, I see heaven open. Étienne de dire, je vois les cieux ouverts. I see heaven open. Je vois les cieux ouverts. And Jesus standing. Et Jésus se tenant. At the right hand of the Father. À la droite de, du Père. Say, I see heaven open. Dis, je vois les cieux ouverts. Confesse, I see heaven open. Confesse, je vois les cieux ouverts. Say, I can see heaven open. Dis, je peux voir les cieux ouverts. I can see heaven open. Je peux voir les cieux ouverts. I can see Jesus. Je peux voir Jésus. Standing. C'est at the right hand of the Father. À la droite du Père. Stephen began to see heaven, heavenly visions. Étienne a commencé à voir les visions célestes. By the Holy Ghost. Par le Saint-Esprit. He was able to see. Il était capable de voir. In a spiritual dimension. Dans une dimension spirituelle. God will bless prophets here tonight. Dieu va suivre les prophètes ce soir. They will open their eyes to see. They will open their ears to hear. I see Jesus. Je vois Jésus. When you see him, quand tu le vois, your life cannot be the same again. Hallelujah. In Acts chapter 8. Dans Acts chapitre 8. Bible says Philip. La Bible déclare Philippe. When he baptized the Ethiopian eunuch. Quand il a baptisé le eunuque éthiopien. The Holy Ghost carried him in the air. Le Saint-Esprit l'a transporté dans les airs. For 26 miles. Et pas pour environ 26 kilomètres. From the wilderness of Zeus as wilderness. Dans le désert. To Azotus. Pour Azotus. He was transported by the Holy Ghost. Il fut transporté par le Saint-Esprit. For the first time, pour la première fois, a man went by air to the 6 miles. Un homme qui marche dans les airs. Without a plane. 6 kilomètres sans avion. I hear the Holy Ghost say. J'entends le Saint-Esprit dire. Tonight. Ce soir. God will reposition somebody. Dieu va reposition quelqu'un. Hallelujah. You will locate your destiny. Il va localiser ta destinée. God will carry somebody. To the place you're born to be. From the wilderness. To the promised land. They will take you out of your wilderness. In the name of Jesus. I hear the voice of the Holy Ghost. Say, I will carry you. From that wilderness. I will take you out. From that dry land. I will take you out. Of that frustration. I will take you out. Of that sick condition. I will take you out. Hello. Plan begin to see. In your land begin to walk. Hallelujah. In your deaf begin to hear. Because the Holy Ghost is here tonight. In Acts chapter 9. Saul. On the way to Damascus. Sur le chemin de Damas. Ready to kill. Prêt à tuer. And suddenly. Et soudainement. This mighty man. Ce puissant homme. Fell on the floor. I said, who are you, Lord? He was transformed by the Holy Ghost. Il fut transformé par le Saint-Esprit. He saw Jesus Christ. Il a vu Jésus Christ. And tonight, et ce soir, the same Jesus, le même Jésus, the same Holy Ghost, le même is here tonight. Il est ici ce soir. Then my story is changing. Dis, mon histoire change. Hallelujah. Oh my God. Oh mon Dieu. This man could not be changed by a pastor. Cet homme ne peut pas être changé par un pasteur. He could not be changed by sermon. Il peut pas être changé par un sermon. He was killing the believers. Il tuait les croyants. But on the way to Damascus. Et sur le chemin de Damas. He encountered the supernatural. Il a rencontré le surnaturel. He encountered the supernatural. Il a rencontré le surnaturel. His name was changed. Son nom fut changé. Their name was changed. Son nom doit changer. His mission was changed. Sa mission fut changée. Sa mission changera. His life was changed. Sa vie was changed. Sa vie changera. Son histoire fut changée. Il devint un apôtre. Il devint un apôtre. God will make you, somebody. Donc Dieu fera de toi quelqu'un. Say tonight. Dis ce soir. I see my life change. Je vois ma vie changer. I see my condition change. Je vois ma condition changer. Bible says this mighty man fell on the floor. Tomba au sol. I saw heavenly light. Et vu une lumière. He saw the glory of God. Il a vu la gloire de Dieu.
tonight I sense the glory here. Ce soir, je vous sens la gloire ici. The same anointing. La même onction. That changed the life of Saul. Qui a changé la vie de Saul. And changed the name of Saul. Et qui a changé le nom de Saul. That same anointing is Cette here. Même onction est ici. In Acts chapter 10. Dans Actes chapitre 10. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? There was a man called Cornelius. Il y avait un homme appelé Corneille. A colonel. Un colonel. A centurion. Un centenier. Hallelujah. Hallelujah. He was praying. Il priait. And an angel appeared to him. Et un ange lui est apparu. And when he saw the angel, et quand il a vu l'ange, the angel said, "Your prayers and your arms have come before me for memorial." L'ange lui déclarait, tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Send for Peter. Send for Peter. Il a envoyé Pierre. When Peter came, et quand Pierre est arrivé, while he was still preaching, et pendant qu'il prêchait encore, oh, hallelujah, hallelujah, while he was still preaching, quand il prêchait encore, the Holy Ghost moved among them. Le Saint-Esprit était en action parmi eux. They started speaking in tongues. Ils ont commencé à parler en langue. Without even baptism. Sans être baptisés. Gentiles. Les païens. And the Holy Ghost filled the whole house. Et le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Tonight, ce soir, is the continuation. C'est la continuation. Of the book of Acts. Du livre de Actes. Hallelujah. The same Holy Ghost. That changed Cornelius. Qui a changé Cornelius. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. That changed Paul. Qui a changé Paul. The same Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. That changed the lame man. Qui a changé le The same papier. Holy Ghost. Le même Saint-Esprit. That made apostles. Qui a rempli les apôtres. It's here tonight. It's here tonight. You have a choice. You have a choice. To say in the name of Jesus. I cannot go home the same. In the name of Jesus. I connect to the anointing. I connect to my healing. I connect to the power. I connect to my testimony. Dis voisin, it is impossible. C'est impossible. For you, pour toi, to go back the same. De retourner le même. Can you stand up, please, tonight? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, ce soir? There's a mighty anointing here. Il y a une puissante onction en ce lieu. I like grace. Be on the mic, please. La sœur Grace, sois au micro, s'il te plaît. Take up the hands, please. Levez les mains, s'il vous plaît. Begin to pray. Begin to pray in tongues. Commencez à prier en langue. Priez en langue. Priez en langue.
that miracle. Commencez à recevoir ce miracle. To walk. Si vous ne pouvez pas marcher, commencez à marcher. Receive.
Reçois. Oh my God. Oh mon Dieu. Don't struggle, don't struggle. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Angels walk in the crowd. Les anges sont en train d'œuvrer dans la foule. Hey, hey, hey. Loin la